Allez, coucou les gens! Aujourd'hui, on fait du coup que c'est un petit chousse pendant que je bois mon café parce que je viens de me lever. Parce que j'ai passé une nuit un peu chaotique. Coucou Nao! Eh oui, t'as vu la super webcam! Elle s'appelle très exactement webcam pourri sur un. Sur mon OBS. Faudrait que je fasse une photo de l'installation. Ce sera rigolo. Ouais, et le café, regarde. Hop. Magnifique tasse IKEA avec du café. C'est normal, pour l'instant je l'ai pas lancé. Dépasser les jambes. Hop, j'installe mes fenêtres. Hein. Ah non, mince. Faut que je le starte avec la manette, vu que je joue à la manette. Alors, on était là et on était dans notre magnifique restaurant. Qui avant était communiste et qui maintenant est devenu anarchiste, il paraît. Allez. Donc comme je disais la dernière fois, j'essaie de principalement jouer sur les restos classiques plutôt que sur le nôtre pour pouvoir gagner d'autres recettes, débloquer des recettes, gagner du pognon pour pouvoir équiper notre resto pour que ce soit plus simple pour nous. Sachant que j'aimerais bien essayer de faire une recette vegan slash VG. Pour voir. Petit café. Je suis toute flappy ce matin. J'espère que ça se voit pas trop, mais... Ça fait 3 jours que je suis malade. Et cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi.
On est parti. Alors, on va commencer la journée avec un truc pas trop compliqué. On va essayer. Ah, cool! C'est bien quand ça se passe comme ça, quand t'es obligé de te lever à des heures pareilles. Avec les deux en même temps? Tu dois te battre contre les deux en même temps? Bretel. Je crois que je me suis trompée. Non, c'est bon. Parce que hier, comme j'ai joué sur Switch, j'ai les contrôles Nintendo en tête. Qui ne sont pas les mêmes que sur la manette de Xbox, puisque sur les contrôleurs Xbox, le X est là, le Y est là, bah, et là, le B est là, alors que sur les contrôleurs Nintendo, ils sont tous les deux inversés par couple. Du coup, c'est un coup, est-ce que je me plante? On charge juste avant le rush hour. Chocolate. Pretzel. Cheese. Ketchup. Cheese. Ketchup. Mince, je les ai envoyés pas cuits. Oh, c'est terrible. Zut. On a monté de niveau. Ah oui, non, c'est bon. J'ai eu du bol. Je faisais pas attention à ce que je faisais. Alors. Ah, toi, tu fais des études en art plat. Et tu sais, tu peux te retrouver à faire des études en art plat alors que tes parents sont riches. Hein. Et dans ce cas-là, t'es riche. Enfin, pardon, que tes parents sont riches et qu'ils sont paradins. Et dans ce cas-là, t'es riche. Je vais y arriver. Petit rush hour qui va revenir. Ah, cette journée.
Ah, c'était l'erreur. Pretzel, cheese, ketchup. Pretzel, tarte. Queso, sour cream et petit piment. Coucou Moineau! Comment ça va? En même temps, ce jeu, j'ai un peu commencé à le retourner en fait. Et ça, c'est les restaurants les plus faciles. Tu fais de la recherche en art plastique, je ne savais pas que c'était possible. Eh bien, écoute, on fait aller, pareil. Montée de niveau. La petite musique. Oh, superbe. Une magnifique armure. Elle est pas mal, cette lampe. Waouh, on débloque plein de trucs. Oh, un comptoir vert. Bon, le restaurant est rouge, ça va pas du tout avec. Et on a débloqué de la bière, c'est parfait. Avec le petit son. Excusez, je prends du sirop pour survivre. Allez. Et je me mouche en coupant le micro. Coucou Hendrix. Ah, encore le titre du stream. Est-ce que je l'ai ouvert? Non. Je l'ai pas ouvert. Je l'ai fermé. Oh, ça c'est ballot. Oui. On va faire ça. Et voilà. Voilà, c'est changé, donc comme d'hab, ça va pas s'afficher sur mon interface à moi, voilà. Parce que c'est relou. Voilà, parfait. C'est mieux. Coucou Hendrix, du coup.
Comment ça va? En même temps, c'est normal d'être meilleur artiste que chercheur. En général, quand tu vas en fac d'art plastique, c'est plutôt pour pratiquer. Après, moi j'avais fait la fac à... Bah oui, j'avais fait la fac à Saint-Étienne. J'ai des potes qui l'ont fini, qui ont réussi à... J'ai même un pote qui a réussi à passer la grille. Il a essayé de retarder le plus possible son entrée dans le monde professionnel. En passant sa licence, son master, une agrégation et en essayant d'avoir les bourses à chaque fois pour vivre sans avoir à bosser. Et puis finalement, du coup, il se retrouve avec une agrég et à devoir entrer sur le monde du travail alors qu'il veut pas. Oh là là. Les problèmes avec les potes, c'est toujours chiant. C'est toujours chiant. Toute façon, à chaque fois qu'il y a des gens qui se plantent sur les streams, je me dis, moi, je me suis déjà retrouvée avec 50 minutes de stream sans jeu affiché. Sans que personne me le dise, du coup, parce qu'il n'y avait personne pour regarder. Du coup, j'ai une VOD avec 2 heures de jeu, et les 50 premières minutes, il n'y a que le son. Donc, je relativise. Je me dis que s'il y a des soucis, on peut pas faire pire, quoi. Et ouais, Hendrix, j'espère que tu vas mieux, hein, parce que moi, j'ai la crève, j'ai chopé la crève, et elle me tape dessus avec un marteau, et elle veut pas me lâcher. Allez, on est des gros tas, on va aller manger des burgers. Après, si tu peux te retrouver à avoir une agrég payée par les bourses scolaires, c'est bien. Merci Mano. Alors de la viande, de la laitue, tomate, des oignons et un regular bun. De la viande. Raté. Et ben vous aurez un morceau de fromage en rab, voilà. Sorry. Oui, je sais, c'est mai. Une journée qui commence bien, en somme. Des oignons. Des champignons grillés. Et un petit pain. T'as rien fait? T'as quoi sur ton planning, toi, Hendrix, d'habitude? Le lundi. Oui, enfin, c'est toujours mieux avec du fromage en rab moineau, sauf pour les personnes qui font une intolérance au lactose ou les personnes qui sont véganes, tu vois. Moi, je me plains pas s'il y a un bout de fromage en rab dans mon sandwich, hein. Mais il y a des personnes que ça peut déranger. La recherche d'emploi. Et d'habitude, ça consiste en quoi, la recherche d'emploi? Ah oui. Et ben on est dans la daube, hein, parce que j'ai rien fait à l'avance. Bacon. Sweet cheese. Pickles. Raté. Mushroom. Oui, c'est mais je sais. Bacon. Cheese. Laitue. Tomate. Cheese. Raté. Et ben ça va être une journée compliquée. Ok. Flûte. Et du coup, comme j'ai pas fait attention à ce que je faisais,
Je me retrouve à avoir plus du tout de trucs préparés à l'avance et du coup, c'est l'embrouille. Je vais y arriver. On s'en est sorti avec juste une commande ratée. Enfin. Mais justement, Moineau, la personne ne demandait pas de fromage du tout, je crois. On avait une commande sans fromage, il me semble. De la viande, du bacon. Des pickles. Des mushrooms. Ah oui, exactement, ouais. Hendrix, c'est à ça que je pensais aussi, mais. Il y a des gens comme ça. Bien se faire souffrir en mangeant des trucs alors qu'ils ont mal au ventre hein. Aussi, n'est-ce pas? Alors, de la viande, du bacon, du fromage, de la viande, du fromage, de la viande, du bacon, du fromage, des pickles. De la viande, de la salade, de la tomate, des pickles, un œuf, parce que c'est toujours bon un œuf, bacon, tomate, excusez-moi, messieurs, dames, vous inquiétez pas, on en refait tout de suite. On n'a plus du tout. On n'a plus rien. On a été dévalisés. Ah oui. Il y a quelqu'un qui a une drôle de coiffure, j'allais dire, dans le restaurant, mais en fait, c'est juste qu'il y a quelqu'un derrière lui qui avait une drôle de coiffure. De la viande, de la salade, des tomates, un œuf. Ah, c'est la fin de la journée. Non, 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 elle en demandait pas, je crois, et je lui en ai mis. Fusion de coiffure, ouais, ça arrive. Parfait. Parfait. Entre deux restaurants, je pense que je vais à chaque fois me moucher. J'ai la petite boîte de mouchoirs à côté. Coucou Parmifère. Comment ça va? Super, oui merci, il est beau, hein. Il est super mon mouchoir. Regarde. Superbe boîte de mouchoirs. Je recommande.
C'est le moins cher que je trouve, qui abîme le moins le nez. Ces mouchoirs chez Lidl. Ils sont pas chers du tout. Alors. Ah, t'as vu ce placement de produit? Mais attends! Si j'arrive à me faire sponsoriser les mouchoirs de Lidl, vu la consommation qu'on en fait en ce moment, ça m'arrange. Vas-y, dis, permis. Que t'arrive-t-il, permis faire? Le petit est à la maison parce qu'il est malade. Ou tu n'as pas dormi. Ou autre chose. Vas-y, propose. Je m'attends à tout, là. C'est bon. Il n'y a pas école. D'accord. Le petit en veut ou... Est-ce que le petit il est pas content d'aller à l'école? Ok. Non, ça lui va de pas aller à l'école. Ça fait 4 jours, ça y est, il se sent en vacances, il en peut plus, il est très très bien. Il est super content. Parce que il paraît que la dernière fois que je l'avais pas emmené vous. Et que je l'avais pas emmené à l'école, ça s'était mal passé avec l'école. Donc après, il m'en avait voulu, et qu'à l'école, il était pas content, donc du coup. Il joue à Kirby. Super, il joue à Kirby. Ouais, qu'on regarde pour lui mettre d'autres jeux. Et non, on ne l'exploitera pas. Même si ça serait mignon, on ne l'exploitera pas, notre gamin. Allez, on va essayer ce nouveau restaurant qui a tout justement débarqué. All the Sport Grill. Ça va nous changer, hein, hot dog et steak. Ah, c'était un échec. Eh ben, on va restart la journée tout de suite. Je me suis trompée. Oui, parce que là, on peut, je sais pas pourquoi, mais on peut pas préparer à l'avance les ailes de poulet. Du coup, ça va être pénible. Est-ce que je peux me planter? Alors, traditionnel, voilà. Je crois que c'est la première fois que... Traditionnel. Je crois que c'est la première fois que je le gère comme ça, celui-là. Je connais pas encore les trucs. Raté. Eh ben écoutez, ce sera un mais. Ok. Un hot dog hyper farci. Oh la bière. Oui, mais j'en ai pas mis assez, mais écoutez, sinon ça déborde. Voilà. On va pas chercher à faire une journée parfaite. C'est pas possible de faire une journée parfaite sur ce truc, c'est juste pas possible. On se prépare des petits machins pour le rush hour, au cas où. Premium, oignon, moutarde et ketchup. À part m'y faire, le saviez-vous? Le foot food va fermer. Le resto dans lequel on va acheter des hot dogs, il va fermer. Le type qui le tient en a marre. Du coup, il arrête. A priori.
Teriyaki. Et voilà, je les envoie pas cuites, forcément, ça va mal se passer. Pretzel. C'était la très mauvaise idée. J'envoie au pif. Hein. Ah. Flûte. J'essaie d'envoyer au pif pour éviter qu'il y en ait une qui finisse brûlée. Cheese, chili, onion, moutarde. Coup de sauce. Ma webcam lag, ouais je sais. C'est pas une webcam, c'est mon téléphone, il est connecté en wifi forcément. Forcément ça lagouille. Faudra que je refasse des réglages. Pour la webcam, là, je t'avoue que j'ai fait les réglages. Ah! Il était quelle heure? Il était 6h du matin? 5h du matin? Parce que je me suis couché super tard en fait. Ah oui, vers la rush hour. Oh là là. Teriyaki. Elle est là. Pretzel. Relish. Regular. Cheese. Moutarde. C'est raté. Asian. Et voilà, raté. Un hot dog tout simple, ça me va. Pretzel, fromage, ketchup, hot dog tout simple, c'est pas ici, c'est teriyaki, si je commence à connaître l'emplacement. Barbecue. J'ai l'impression que la bière est quand même plus facile maintenant depuis la mise à jour. Spices. La sauce tanguy. Ah mince. On n'a plus d'hot dog prêt d'avance. Pâté, ça sera pas les bonnes ailes de poulet. Régular, fromage, relish, moutarde. Et oui, Hendrix, il était triste aussi pour le resto hein, qui a fermé. On était un peu... Bon voilà, ça a débordé. Non, tout ce qui existe comme app de webcam, ça passe par le wifi. En fait, je pourrais aussi utiliser via l'USB, mais ça voudrait dire qu'il faut que je tire un câble USB également de mon téléphone jusqu'au PC. Et il faudra que je vous montre la... l'installation comme ça. Alors, je peux presque prétendre au rang d'affilié. Il me manque encore 16 abonnés. Enfin, 16 followers. Il faut 50 followers à la chaîne pour pouvoir avoir accès au rang affilié. J'aimerais bien l'avoir parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont moins la flemme en fait de dépenser de l'argent. Ah, c'est sympa ça. Il y a plein de personnes qui ont... Merci, c'est gentil. Il y a plein de personnes qui ont la flemme en fait de s'inscrire sur un site pour donner de l'argent, ce que je peux tout à fait comprendre. Moi aussi, parfois ça me gonfle de créer un compte. Et du coup, je me dis que comme il y en a
qui ont déjà des trucs sur Twitch. Ça leur permettrait de donner directement sur ma chaîne, même si pour l'instant, enfin, ça va à l'encontre de mes principes, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment l'occasion d'avoir des principes parce que j'ai pas beaucoup de fric, tout simplement. Et ouais, de toute façon, j'essaye de streamer au moins 4 fois par semaine, sachant que du coup, hier soir, comme j'arrivais pas à dormir, ben j'ai streamé un peu. Et je pense que je vais faire ça quand j'arrive pas à dormir, streamer. Ça, s'il y a des gens qui sont dans le mal, hein, et qui arrivent pas à dormir, ben ils peuvent toujours passer. Donc du coup, au final, effectivement, j'ai tout ce qui est quantité d'heures passées sur le stream, régularité du stream et comment on appelle ça? Et nombre de fois où je stream en fait. Ça j'ai déjà explosé tous les achievements que Twitch a mis en place. Alors, Green Italy. Non, mince, je me suis trompée. Green Italy, c'est la première fois que ça débarque. Ah, Hendrix! Il faut que je te montre le resto, regarde. Je crois que t'étais pas là la dernière fois. Regarde, on a un resto qui est facile. On a un resto qui est facile. On a. Ça a l'air trop bon. Ça, il faudrait qu'on le fasse à la maison. C'est une aubergine, c'est une tranche d'aubergine panée avec du parmesan et de la sauce tomate. Ça doit être trop trop bon. Ça, c'est le bretzel classique. Et puis des macaronis parce qu'on n'a pas énormément de trucs. Mais du coup, maintenant, on va pouvoir ajouter la bière parce qu'on a la bière, on a débloqué la bière. Allez. Et du coup, on est parti pour du Green Italy. Casual dining. Ouais, voilà, c'est ça. Oh! Ah, PS, CR, PSCR, PSC. Raté. Pasta, sauce, cheese, ricotta. Sauce, cheese, ricotta, pasta, sauce. D'accord, tout à l'heure. Ah! C'est bon, c'est bon. Season. Oh là là, ça va être super dur. Et bah bon appétit. Merci, mais il y a de la viande au milieu. C'est pour ça que je me suis plantée 2 fois. On va faire l'haricot. Et puis on va préparer plein de lasagnes parce que ça part une sauce veggie. Je me suis plantée. L'avantage d'aubergine en fait, c'est que c'est super simple parce que les clients, ils demandent toujours la même chose. Hop là, c'est bon. En lasagne, on est prêt. On a fait plein de lasagnes. La bière, non. Et voilà, c'est le ratage. Le ratage de la bière. Reading. Oh, le lave-vaisselle au milieu. Coucou Mira, Shad, coucou, ça va?
Et voilà, je l'envoie pas cuite. Et l'aubergine pas cuite, c'est vraiment pas bon. Bon, je l'ai pas assez attendri, ce pauvre petit morceau de viande. Bravo! Bravo! Lundi midi. Et déjà, saloude. Oui, bah oui, désolé. Hein. Faire des lasagnes, épinards, raté, on recommence, raté, on recommence, oh là là, ça s'ennuyait, ah je l'ai pas assaisonné, ça va râler. La vaisselle qui n'arrive pas du tout au bon moment. Et voilà, c'est un échec. C'était l'échec. Je n'ai pas attendri ce pauvre petit morceau de poulet. L'avantage, c'est que quand je fais un truc, en même temps, je peux envoyer les plats qui ont juste à être envoyés, qui ont juste à être servis. Non. On veut attraper cette aubergine. Raté. C'est un petit assaisonnement qu'il voulait et pas une aubergine panée. Ce sera l'échec. Eh ben, c'était pas fameux comme journée, hein. C'était pas fameux. Est-ce qu'on tryhard la Chinese food? Oui. Il y a Reina qui avait acheté le jeu la semaine dernière, juste après m'avoir vu jouer. Ou récupérer, en tout cas, je sais pas si elle l'a acheté. Et elle m'a dit oui, je m'en étais bien sortie. Échec. Allez, on recommence. Shumei. Carotte, chou, huile et beurre.
Bon. Spicy. Orange peel. Elle est où? Sweet. Snow pea. Oh là là. Ça va être difficile. Si là je galère déjà, ça va être difficile. De toute façon, ce pauvre restaurant, j'ai vraiment trop de mal. Huile, crotte. Wish. Orange peel, chicken. Il y en a plus, cool. Sauce brocoli. Céleri. Spicy sauce, chicken, brocoli. Ah. Excusez-moi, on en refait tout de suite. Bon, bah écoutez. Sorry. Raté. C'est bien d'aérer, même si on a froid, c'est bien. Ça fait du bien. Non, je crois que c'est... Je crois que le pseudo de Rachad, c'est aussi Mirachad sur, sur Mastodon. Échec. Sauce épicée, chicken, poivre rouge. Oh.
Ah, le petit gain de niveau, ça fait plaisir parce que bon. Oniglaze. Non. Sauce sésame, poulet. Coucou Lorola. Comment ça va? De toute façon, Mia Shad, tu postes pas beaucoup sur l'instance, je crois. De manière générale, tu postes pas beaucoup. Et tu postes rarement en public, je crois. Et ton avatar, il est noir et blanc, c'est un personnage de manga avec une capuche. Ce serait bien de manger, ouais. Ouais, ce serait pas mal de manger pour le midi. Ce serait pas mal. C'est si mauvais que ça, le... Ah, des banquettes vertes, ça ira pas du tout avec le resto. Ah, des magnifiques filets. Mais faut chier de poster plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On refait pas... non, pas de resto chinois tout de suite. Ah bah, on va faire des pizzas! Je vais moucher, on a dit, entre deux restos. Mouchoir. Faut pas m'en vouloir, hein. Moi je suis une inculte des mangas. Fait chaud. Donc, ce soir pizza. Désolé parmi, mais il y a Slag qui préférait que ce soit burger VG parce que il préférait manger les burgers VG et il se sauve demain à 14h. Et du coup, voilà. Du coup, c'est un peu triste. Parce qu'il faut faire le choix entre pizza ou burger. Du coup, ça sera burger. Je sais que tu verses une petite larmichette. Ça sera pour te punir de ne pas avoir géré ton réveil correctement. Voilà. Pizza! Alors, la pizza, c'est pénible. Où est le parmesan? Il est là. Une pizza. De la sauce pesto. Ça doit être pas mal, ça, une pizza au pesto. Et des pepperonis. Où ils sont? Voilà. Tiramisu. Un petit ramisu. Extreme Fire. Pour les gens qui, dès 9h du matin, ils veulent ne plus rien sentir de toute la journée. C'est possible. Oui, la vie est si compliquée, c'est clair.
la sauce tangy. On va refaire une pizza au cas où. Il est où le jambon? Là. Ah bah cool. Une mousse, une petite appelle, un tiramisu. Un tiramisu. Spices, barbecue, cheesecake, spices, parmesan, de la mousse, tiramisu. Bravo! Faut arrêter de réduire le prénom Tanguy au désignage des personnes qui restent vivre chez leurs darons. On avait un pote. Bravo parmi. Bravo. On laisse fuiter le prénom du petit. Comme ça. Stuff, Red, c'était pas le bon moment. Bah quoi? Je me demande quoi? Tiramisu. Apple, tiramisu. Spices. Une asiane, elle est où? Elle est là. Sous asiane. En plus, ça veut dire que du coup, je vais me taper du montage pour flouter le nom, pour éviter que ça se retrouve sur YouTube. Salut Meldia, c'est la première fois que je te vois sur le stream, c'est ça? Me trompe, je... Ou alors c'est la première fois, en tout cas, que je te vois dans le chat.
Bienvenue, dans tous les cas. Journée parfaite! Parce qu'on était des gros énervés. Ça va, il n'y a pas trop de gens qui aiment bien le violet ici. Ah mince, mon contrôleur. Parfait. Des tableaux pas très beaux. Oui, et un truc qu'on n'utilisera pas parce qu'on a dit qu'on essayait de faire un restaurant végé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Gritali. On va voir. Là, on en a 4. Là, on en a 3. Là, on en a 2. 3. 3. 1. 1. 1. On va faire un breakfast breakloose. On va manger des gaufres. Ah, ça y est, c'est devenu vert. Melia est devenue verte. Ou il est devenu vert. Yel est devenue verte. Ah, cool. Force vert. Eh bien. Bienvenue, force verte. Alors, eh oui, on peut changer la couleur. Parmi Pierre qui débarque. Strawberry. Des gaufres avec des fraises dessus. Gaufres avec des myrtilles dessus. C'est pas des myrtilles, c'est des brimbelles, nanana. Vu la taille des myrtilles. Je dis ça parce que Parmifère a du mal à ce qu'on appelle les myrtilles des myrtilles quand ce ne sont pas des myrtilles. Il est très à cheval sur ce que sont des myrtilles et ce que ne sont pas des myrtilles. Egg base. Oh là là. Cheese. Green pepper. Red pepper. Yellow paper. Épinard. Eh ben, elle a l'air sympa cette omelette. Egg base. Jambon. Fromage. Bacon. Egg base, jambon, fromage, bacon, egg base, fromage, yellow, spinach, egg base, fromage, des cornflakes, du lait et des myrtilles. Des cornflakes, du lait. Waffle, sirop d'érable. Oh là là. Mozzarella, fromage, bacon, tomate, oignon, saucisse, épinard. Ça va, une omelette pas trop chargée. Mozzarella, fromage, oignon, saucisse. Mince. Oh, vous avez pas râlé parce que je vous ai mis des myrtilles en plus. C'est bon les myrtilles. En fait, Hendrix est daltonien. On n'arrête pas de se moquer gentiment de lui.
Et il a du mal à distinguer les nuances de rouge. En fait, si tu veux, il y a aussi un truc, c'est que tu changes de couleur, mais tout ce que tu as écrit dans le chat va garder la couleur de ce que tu avais avant. Donc si t'écris pas, tu verras pas la différence. Eh bien, bon appétit. Bon appétit. Raté. Désolé, j'ai confondu fraises et bananes, c'est compliqué. Base, mozzarella, fromage. C'est dommage, j'étais bien parti cette journée. On aurait presque pu faire une journée parfaite, presque. Oh là là. Tomate, oignon, sausage, spinach, waffle, strawberry, waffle, blueberry, milk, strawberry. Ici. Alors, c'est pas un widget. C'est pas un widget, c'est la fenêtre de chat que j'ai pop out. Et après, comme je suis dev web, je connais les outils de développement. De développement web. Et non mais tu vas voir, c'est crasseux. C'est crasseux, c'est rigolo en même temps parce que du coup je garde exactement le même chat. Donc je fais la pop-out. Ensuite j'utilise l'outil de développement web qui est intégré à Firefox. J'enlève la partie du HTML avec la chatbox, avec la boîte de chat qui se trouve en bas normalement, tu vois, qui se trouve en bas. Et du coup Si je rafraîchis, tu vois, là j'ai plus le chat et on voit en bas la boîte de chat. Alors, console, inspecteur, voilà, tu vois, juste le faire comme ça, tu vois. Et hop. Ouais, je stream avec OBS. Ah, on a débloqué un autre filet de pêche. Je crois que j'ai vu passer un petit mot aussi. J'ai pas eu le temps de voir. Je stream avec OBS parce que c'est un logiciel libre. Un pan filter, c'est quoi? Qu'est-ce donc? Allez, on va retourner chez Gros. Alors, c'est en français. Je l'utilise en français parce que les traductions françaises sont vachement bien faites et qu'en plus j'y participe. Red sauce. Comme ça, je peux corriger les.
corriger les labels en français. Mince. Et j'utilise déjà un filtre pour rogner en fait, pour éviter qu'on voit le titre. Mince. Pour éviter qu'on voit le titre du. Ah oui, j'oubliais que les ribs, il y a presque rien. C'est presque pas de part. Donc c'est déjà rogné en fait. J'ai déjà rogné le truc. Le problème c'est que si je fais ça, je me retrouve à. Bah, première commande ratée, cool. Avoir une fenêtre qui est trop petite et on la voit presque pas. Parce que je peux pas l'allonger plus en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois là, si je la réduis. Là, elle est au maximum de sa hauteur par rapport à mon écran. Après, je vais probablement faire un truc différent quand je prendrai le temps de le faire, mais pour l'instant, j'ai trouvé que cette solution était plutôt efficace, simple à gérer. Moi, j'ai plus de pizza. Ah, le petit level up. Bacon, cheese, oignon grillé, un petit pain, bretzel. Pas forcément, c'est pas forcément voulu. Je ne savais pas que ça existait, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Là, je me suis inscrite sur un site pour pouvoir mettre des petits trucs un peu rigolos. Du genre, quand vous mettez des petits emotes dans le chat, par exemple, maintenant on les voit se balader sur l'écran. Parce que j'ai trouvé ça sympa. La privacy, vu qu'il n'existe pas vraiment de logiciel open source pour faire des trucs un peu rigolos comme ça pour l'instant, parce que ça arrange bien les entreprises que ces trucs là soient utilisés pour espionner les chaînes, etc., et faire des études de marché. Tomates, oignons. C'est elles qui investissent le plus dans ces histoires.
Et du coup, comme elles investissent plus, et ben les logiciels qui sont développés dans le cadre d'entreprise sont quand même beaucoup plus sympas. Que ce qui existe sur le monde du libre. Ce qui est bien dommage, je trouve. Bacon, laitue, tomate. Laitue, Swiss cheese, fried egg, cheese. Fin de la journée, journée parfaite. Alors Streamlabs, je sais pas. Je sais pas ce que je... Là, je me suis inscrite sur un site. Alors, en gros, ce qui s'est passé, c'est que dernièrement, j'ai regardé... Je suis tombée par hasard sur un stream de quelqu'un qui faisait du crochet. Qui faisait des petits totoros en crochet. Et en gros, comme c'est un stream qui est vachement axé sur la conversation avec le chat... La personne avait installé un widget qui était super rigolo, qui était super sympa, qui fait que quand il y a quelqu'un qui envoyait un smiley dans le chat, il apparaissait sur l'écran et il se baladait comme ça, et je trouvais ça sympa. Du coup, j'ai cherché le logiciel qui faisait ça, et je l'ai trouvé. Du coup, je me suis inscrite dessus, et alors j'ai même pas fait attention à ce que... au nom du site, etc. quoi. J'ai fait ça un peu à l'arrache. Je vais te dire ça, je vais te dire ce que c'est. Stream Elements. Ça s'appelle. Et du coup, en gros, c'est... Ce qui se passe, c'est que du coup, je me retrouve avec un gros panel web qui est un peu crasseux, pas très beau, mais bon, ça fait le café. Pour configurer mon stream. Il y a plein de trucs dedans, et du coup je peux configurer un overlay. Alors si je me connectais, ça je peux vous faire un petit exemple de ce que j'ai fait. Login. Oui, welcome back. My overlays. Edit. Bah, par exemple, j'ai fait ça. Voilà, pour l'instant, j'ai pas fait grand chose à part ça, mais bon. Je pense qu'il y a du potentiel. Et que comme c'est tout centralisé, en fait, c'est plus simple pour moi. Eh, t'as vu, c'est trop cool, hein. Mais le problème, c'est que...
Bah du coup maintenant j'ai plus personne qui vient follow la chaîne et du coup personne n'a vu que ça existe ce truc. Du coup je suis un peu triste. Non, on va pas faire ça, c'est trop compliqué. On va essayer ça. Du Gris Italie. Des lasagnes, bah oui. Des spaghettis. Oh, c'est l'embrouille. Ça va être super chaud. Je connais pas du tout les trucs encore. Ah bah oui, avec la bière, forcément. On cumule avec la bière. J'espère qu'il y avait des brocolis. Non. Eh ben, c'est le ratage de la journée parfaite, mais de toute façon. Ça aurait été un peu chaud. Voilà. Désolé. Oignon. Bacon, asperges, jambon, saucisse, tomate, œuf battu. Oignon, asperges, brocoli, œuf battu. Oignon, bacon, asperges, jambon. Saucisse, tomate, œuf battu, fromage. Asperges, chives, spinach, mushroom. Non, tu ne brûles pas. Champignons, œuf battu, mozzarella. Ah, le ratage. Mes trucs en stale. Oignon, asperges, brocoli, œuf battu. Ne vous sauvez pas, on en remet à cuire tout de suite. Oignon, bacon, asperge, jambon, saucisse, tomate, œuf battu, fromage. Oh là là. Oignon, asperge, brocoli, œuf battu, fromage. Patates, asperges, j'aurais pas dû prendre ça, épinards, tomates, champignons, battus, mozzarella. Non! Sorry. Pommes de terre, asperges, épinards, tomates, champignons, battus, mozzarella. Cool! On est à nouveau en shower, j'ai pas eu le temps. Bon boulot, bonne chance pour cet après-midi.
Croûte, oignon, bacon, asperge, jambon, saucisse, tomate, battue, radis. C'était pas de la mozzarella qu'il fallait que je mette. Raté. Bon, tant pis. Pommes de terre, asperges, épinards, tomates, champignons, œufs battus, mozzarella, on a dit. Croûte, pardon, oignons, asperges, brocoli, chives, épinards, tomates, champignons, œufs battus, mozza. Je vais y arriver, hein. C'est juste compliqué. Oignon, bacon, asperge, jambon, saucisse, tomate. Allez, des lasagnes, on refait du coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on se mouche et puis je cherche un verre d'eau. Pensez à boire, c'est bien de boire. Le truc qui grince, c'est ma chaise. Faudrait que je trouve d'où vient le grincement pour le réduire. Deux, non, celui-là ça va être trop compliqué. Deux, trois. Bon, on va aller faire griller des trucs avec les gens qui aiment bien manger des trucs grillés en regardant du rugby. Bretzel avec des frites. Parfait. Une superbe bière. Je me recale mon petit tabouret sous les pieds aussi.
Elle est là. Bah oui, de la vaisselle qui débarque comme ça juste avant le rush hour. Excellente idée. Ah cool, on a plus de... Hop. La teriyaki. Oh, la petite montée de niveau qui fait plaisir. Mince. Et voilà, je me suis trompée. Elles sont pas cuites. Désolée. De la sauce teriyaki. La sauce Extreme Fire pour les gens qui n'ont peur de rien. Ah, c'est dommage cette petite erreur qui nous ruine la journée parfaite. Ah, on n'avait pas encore passé le rush hour. La bière, à chaque fois, j'ai peur de ne pas en mettre assez. C'est soit on n'en met pas assez et ça foire, soit elle déborde et ça foire aussi. C'est quand même plus simple quand il n'y a pas le rush hour. Hein.
Fin de la journée. Bon, c'est dommage. Oui. Plus précis et fluide, oui. Mais j'ai l'impression aussi que depuis la mise à jour de Noël, il y a eu un petit changement dans la bière parce que avant, c'était la grosse galère. C'était la grosse galère pour réussir à faire un truc. Et là, en fait, j'ai l'impression que la sensibilité est un petit peu, a un petit peu baissé. Des banquettes marron, une sphère d'or liquide, un tableau pas beau, truc pas beau, tableau pas beau. Eh ben, on va pouvoir décorer notre resto avec des trucs absolument pas beaux. 3, donc eux on a dit non. 2, 3, 3, 2, 3, 4. Allez, on va aller au Itiz. Ah, des lasagnes. Ça me manquait. Tortilla, des nouilles, des tortillas. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est que comme t'es obligé de d'être précis, tu peux pas envoyer comme ça direct. On va refaire, parce que ça va partir vite. Céleri, carottes, vanille, mushroom, gratis. Oh, ça va être compliqué. Tortilla, tapis tout. Ah oui, alors sweet tea. Merci le jeu. Le jeu, il a vu que c'était compliqué. Du coup, il m'a laissé des bouillons qui sont pas trop relous à faire. Texas. Ça se passe mieux que prévu. Passion. Cool, j'ai déjà des poubelles pleines. Alors, de la soupe, des carottes et des lentilles. Je commence à avoir faim. Je ne sais pas vous, mais moi je commence à avoir faim. Céleri, des carottes et des lentilles.
Ça doit être un peu fade comme soupe quand même. Bah heureusement que j'avais des trucs d'avance. Pêche. Un petit épêche. Ok, on a plus de soupe. Ça va être... Je l'ai pas assaisonné. Tropique. On a plus de soupe. Je l'ai pas assaisonné. Je vais y arriver. De la soupe. Bof. Céleri. Carotte, lentilles. Bon. Sweet. Sweet tea. Sweet tea à tout soir. Et bah, journée pas parfaite du tout, hein. Mais pas si pourrie non plus. Oh, des... Une magnifique lampe. Bon, du coup, on va finir le stream sur notre resto. On va améliorer nos systèmes. Pour que ce soit moins la catastrophe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres trucs VG? Des céréales. Ça me semble un peu compliqué. Side. Ça, c'est pas VG. On a dit qu'on faisait que du VG. Et en drink, on a décidé qu'on allait mettre la bière. Et voilà. Et ça, c'est notre resto. Avec notre menu. Mmh. Ok. Moi ça me va. Ça me va, ça me va même. Un peu de macaroni avec vos bretzels. Le resto est sympa, le menu est pas encore top, mais le resto est sympa.
Et voilà, je pense qu'on a rempli tous les objectifs de la journée. Ah, la bière. Ça, c'est le truc compliqué. Lequel le joli tableau? Parce que il y en a plusieurs. Celui qui est en haut à gauche? Le rouge. Le rouge et noir. Oh là, on n'a plus rien. Ah, la petite montée de niveau. C'était pas forcément la meilleure des idées. On s'en sort très bien. Mais voilà, on a débloqué des trucs qui étaient sympas et qui étaient bien rouge foncé et tout. Du coup, le resto a une apparence qui est plutôt chouette, je trouve. Ouais, le rouge et noir en haut à gauche, c'est chouette. Hein. Je pense que je vais l'échanger d'ailleurs avec... Je vais changer celui-là et celui-là pour qu'on voit mieux le rouge et noir. C'est plus sympa que la manette. Le coffret contient toutes les manettes. Avec le petit rush hour. Ne vous inquiétez pas, les macaronis sont en train de cuire. Les macaronis, les bretzels.
Ah, on a 44% de buzz quand même de base sur le resto. C'est pas mal. Parfait. Journée parfaite. La petite montée de niveau. Ah, des superbes chandeliers. Ouais, pas de top. Eh ben, ça va, on débloque pas trop de trucs. Avec le petit sandwich. Je me demande si je peux... Ouais, food catalogue, je peux acheter... Je crois que je peux acheter de la nourriture. Faudrait que je regarde ce qu'il y a en VG. Qui soit pas trop difficile à faire. Les muffins, ils sont chauds, je crois. Ça, c'est hyper chaud. Ça, c'est plutôt facile. Tu vois, je le connais pas. Céral, on les a déjà. Aubergine, on les a. Ah, les petites crèmes. Voilà. Hop. Voilà, des petites crèmes. Alors du coup, j'aimerais savoir... Est-ce que vous préféreriez que je continue de jouer maintenant? Ou est-ce que vous voudriez que je m'arrête? Est-ce que vous avez des trucs prévus cet après-midi? Ou est-ce que vous vous en cognez? Alors, toi tu vas aller streamer probablement. Ah oui, donc ouais, du coup, tu vas te sauver. Moi, non, oui, voilà. Comme la semaine dernière, rien de prévu dans l'après-midi. Bah, faut voir, hein, moi, streamer pour quelqu'un au fond, mais... Là, ça me dérange pas, de toute façon, je sais que tu streams pas mal dans la journée. Je pense que je vais m'arrêter là, ça me permettra de grignoter un bout. Hop. Ce skill, ouais, je sais pas si on peut dire ça. Hein. Skill, je sais pas. Hein. Il y a des moments où il y a quand même eu des gros échecs.
Merci d'être passé, ça m'a fait plaisir. J'aime bien discuter avec les gens dans le chat, je trouve ça sympa. Du coup, on se retrouve. Ah, j'ai fini au perfect, mais en même temps, le menu que j'ai fait dans mon resto, il est super facile en fait. Il est vraiment super facile. Donc, forcément, ça se passe mieux. On se retrouve du coup demain avec du Kingdom Newlands. La semaine dernière, on était morts lamentablement. Du coup, des bisous.